comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est parti, c'est le départ, donc la récolte donc de la dernière culture sur l'exploitation avec l'aide de la moissonneuse batteuse, c'est-à-dire le chanvre. Donc moi je suis donc dans la machine en train de couper donc la graine comme vous pouvez le voir là. Mon père lui est juste derrière moi en train de faucher donc la paille à l'aide du 8340 et de la faucheuse donc de la Busatis. Donc en fonctionnement après. Et au transport, il y a donc au bout du champ donc le 8560 qui lui est attelé sur la benne, la Barouin, la 12 tonnes pour réceptionner donc la graine. Bon, comme vous pouvez le voir, donc là on a attaqué il y a de ça une heure. Bon, on a été un petit peu emmerdé au départ tout simplement parce que ça bourrait donc dans le coin de la coupe là-bas, donc il manquait une section qu'on avait retirée il y a déjà longtemps parce que ça posait déjà problème pour la moisson du blé. Donc on l'avait démonté, mais là on a dû la remonter parce que sinon ça ne pourrait être trop, ça ne coupait pas et après ça faisait rôter la machine. Bon bah allez, moi je vais vous faire donc quelques vues de la machine en fonctionnement. Comme vous pouvez le voir là-bas, mon père qui arrive donc avec la faucheuse. Je vais vous montrer tout de suite là derrière et puis je vous montrerai ça en drone et puis je vous retrouve juste après. J'ai à peu près 14 hectares de chanvre à battre, sachant que j'en ai déjà coupé 3 hectares 80 en chanvre paille. D'ailleurs, vous verrez parce qu'il y a Elodie et Vincent qui sont venus me rendre visite pendant que je coupais le chanvre paille. Donc, ils ont fait quelques vidéos, quelques vues de drone quand je coupais. Donc, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description pour aller voir. J'essaierai de sortir la vidéo en même temps. Donc, ça se peut qu'il y aura. Une coupure peut-être d'une semaine sortie de vidéo, je verrai bien. Donc là ça va pas trop mal en ce moment pour l'instant, bon, malgré un début difficile comme je vous ai dit. Donc là en vitesse d'avancement je roule à peu près 3,5-4 sachant comment que ça va. Bon, sachant que je roule à peu près au bruit de la machine, c'est-à-dire que si j'entends que ça grogne, étant donné que le batteur est juste en dessous le siège, on l'entend très bien. Donc si ça grogne, bah, je ralentis la vitesse, je mets une vitesse en moins, enfin je retire un peu sur le manche. Et puis si ça va plutôt pas trop mal, et ben, je pousse le manche de façon à pouvoir accélérer. Donc je tourne entre 3 et 4,5 suivant, suivant les données. Donc là ça va pas trop mal. Comme vous pouvez le voir là, il y a mon père qui vient de passer donc avec la Busatti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je vais faire quelques vues de drone et puis je vous retrouve juste après.
je me suis arrêté donc 5 minutes pour vous montrer un peu donc à quoi ça ressemble la graine de chanvre. Alors, la graine de chanvre, donc voilà, donc ça se présente sous cette forme là. Et voilà, les graines de chanvre, ça ressemble à ça. Donc là, franchement, il y a très peu de grains verts. Je vous montre dans la trémie après. Bon, sachant que la COP impose un taux d'humidité inférieur à 15 d'humidité et 5% de grains verts. Donc là, bon, je dis pas, là c'est sur la foyer, donc il est un petit peu plus grillé. Mais sinon, il y a un petit peu de vert dans le champ, mais pas trop s'affoler. Bon, donc voilà. Donc, après le passage de la moissonneuse, donc voilà, on essaie de récupérer donc un maximum de têtes, malgré que des fois c'est un peu compliqué, comme le champ est poussé un peu en différentes hauteurs. C'est pas évident à savoir à jauger pour comment à récupérer plus ou moins. Donc on essaie de couper un maximum tout en essayant d'éviter de monter un maximum de camelotes. Et là, donc après le passage donc de la faucheuse, donc en plus ici vous avez l'andin de la moissonneuse, donc ce qu'on appelle aussi les bourres d'éléphant, parce que tout simplement ce qui sort de la moissonneuse c'est un peu broyé, déchiqueté dans tous les sens, et dans le sabot de la faucheuse ça a tendance à bourrer. Donc c'est pour ça, bon, ce qu'on fait nous c'est qu'on essaye de calculer, donc à chaque approche d'andin on prend un peu moins avec la faucheuse pour pouvoir prendre l'andin en plein milieu du jeu de lame, de façon à pas avoir à pas avoir la bourre d'éléphant sur le bord de la section et que ça bourre la machine. Bon bah allez, moi je vais continuer, il me reste encore un petit peu d'hectare à couper. Là la parcelle fait 7 hectares, j'ai dû en couper peut-être 2,5 peut-être. Et puis je vous retrouve, donc je vais vous faire quelques vues à la caméra de la coupe et dans la trémie. Et puis moi je vous retrouve après sur le deuxième site. Comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver donc dans la deuxième parcelle sur le deuxième site de la ferme. Donc c'est dans cette parcelle là que j'avais essayé avec mon père qui préparait devant avec le vibroflex et le vibro derrière. Vous savez que j'étais tombé en panne avec le 85 le soir, enfin j'étais tombé en panne. C'est vite dit, vous savez que l'arrêt moteur du 85 faisait chier. Donc ce matin, bon, c'était un peu plus la course parce que évidemment il y avait la luzerne qui était bonne à faire, donc qui avait été fauchée avant-hier. Donc ce matin on l'a endainé et ensuite j'ai fait livrer donc la benne dans le premier champ. Donc premier champ, rendement pas trop mal, ça fait 12 quintaux. Bon, j'ai arrondi parce que en vrai ça fait 11,6 quintaux. Pour 0,4, sachant qu'il m'en restait un peu dans la trémie, que ça n'avait pas tenu dans la benne, parce que sinon ça aurait été gueulé. Et puis je vais pas remis les ridelles, ça ne sert à rien. Pour le champ, vu la surface que j'ai à couper, ça tient largement dans 2 mètres. Donc enfin bon, bref. Et ensuite, en humidité, il y avait 14,9, c'est plutôt pas trop mal. Et en
d'impuretés en grain d'air, il y avait 3% de grain d'air et 3% d'impuretés. Donc franchement, c'est tip top, c'est pile dans la moyenne, il faut pas plus de 5. Donc c'est impeccable. Donc voilà, bon, là, je suis toujours dans dans le chambre. Donc variété, c'est du Fedora 17. Donc là, je suis en train de couper donc la graine. Je suis venu à midi avec le tracteur et la benne. Mon père est en train de finir de couper le chanvre, je voulais dire, que j'ai battu hier, pour pouvoir attaquer donc demain à finir de battre l'or. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le chanvre est nettement plus haut que dans la première parcelle, si bien que là je suis plus qu'à 3,30 en descente et même en 2,80. 80 km/h en montant parce que le champ arrive au niveau de la hauteur des rabatteurs là, donc franchement le champ est plus magnifique ici que là-bas. Bon, évidemment là-bas c'est de la craie, donc c'est un peu moins bon, mais c'est plutôt vachement mieux qu'à ton premier site. Bon bah allez, moi je vais continuer à faire quelques vues et puis je vous retrouve juste après. Je vais essayer de sortir le drone. Bon, malgré que ça va être un petit peu compliqué, je vous préviens, pour les prises de vue, ça sera peut-être un petit peu branle-branlant, tout simplement parce que à surveiller la coupe pour pas la bourrer, parce que pour avoir déjà bourré une fois avec mon père la machine, je me souviens, j'étais un peu plus jeune, j'avais 12-13 ans, 3 jours pour la démonter parce que ça avait bourré complètement la chaîne du convoyeur. Et la première fois, ça avait bourré entre le batteur et le contre-batteur. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, c'était au crochet et à la pince que tu prises pour sortir les petites boules. Parce qu'il y avait une boule comme ça coincée. Et le lendemain, mon père a recommencé, il a fait 150 mètres et là, c'était complètement le convoyeur. Donc franchement, je vais plutôt privilégier la coupe. Donc je vais voir pour les vues de drone. Et puis on se retrouve juste après. Comme vous pouvez le voir, je suis donc de retour donc dans le champ. Bon, vous pouvez voir, j'ai pas pu finir de couper le champ, tout simplement parce que je suis tombé en panne avec la machine. Enfin, c'est pas une grosse panne, mais assez pour enquiquiner et pas pouvoir finir de battre. Et puis bon, pour la surface qui reste à faire, avec mon père, on a dit c'est pas la peine de continuer de péter la machine pour rien. Donc du coup, on a dit bon, on fauchera tout le reste. Donc, pour faucher, bon, je suis avec le 8340. Normalement, je devais faucher avec mon tracteur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Mais avec les conditions météo qu'il y avait, j'ai pas pu parce qu'il y avait tellement de brouillard que je n'aurais pas pu prendre la route avec. Enfin bon, bref, c'est tout. Et ensuite, la faucheuse, donc la Busatis. Donc faucheuse à section. Là, la scie elle est toute neuve, donc là franchement je peux vous dire que c'est un pur régal pour couper, parce que ça coupe nickel. Donc là, j'essaie de couper un maximum assez bas pour avoir le moins de paille laissée et que ça ne bourre après dans le canadien. Bon,
Après, c'est pas évident parce qu'il y a des endroits, des fois, il y a un peu plus de cailloux, donc ça bombarde plus la lame. Mais bon, faut essayer de jauger un peu, faut essayer d'en laisser le moins possible, mais de paniquer la jeune dame au bout de 2 hectares. Enfin bon, bref, c'est tout, on va essayer comme ça. Bon, moi je vais vous laisser, je vais faire quelques vues de drone. Il y a mon père aussi qui est arrivé avec la deuxième faucheuse, donc là qui est axée sur le 85-60. Donc Busati, là-bas c'est une mortelle, là c'est une Busati, bon, c'est exactement les mêmes. C'est une faucheuse de toute façon. Donc je vais essayer de faire quelques vues de drone, et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!